Profitez de jeux moins chers et des points sur moins chers donc par mon partenaire Astro Gaming, lien en description. Yo les gars, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la récompense Rivals et Fut Champions. Et il y aura aussi quelques petits SBC pour le coup. Donc là, pour ouvrir les récompenses Rivals. Donc comme d'habitude, hein, on prend les invendables. Hein. Oui, c'est ça. Ça, on est d'accord. Ouais, mais j'ai. Ah, j'étais pas en rang 2. Ah, je suis au rang 3. Ok. Vas-y, on prend un vendable quand même. Allez, vas-y. Même si en vrai. Ouais, vas-y, prends un vendable. Allez, vas-y. Donc, du coup, voici donc l'équipe de la semaine qui est plutôt sympathique, on va dire. On va dire sympathique. Pas ouf, mais sympathique, on va dire. Donc, du coup, il y a Harry Kane, il y a Mahrez, il y a Morata, il y a Insigne, il y a Campbell, c'est ça, ouais. Casemiro, Goretzka, Luke Shaw, Jordi Alba et Schmeichel. Et puis Kadé Rebac, ouais, je pense que c'est comme ça. Et sur le banc, on a Romarinho, on a Zahavi, Alexis Sanchez, Jonathan David et Jonathan Tah. En vrai, sur le banc, il y a pas de bons petits joueurs en vrai, c'est sympathique, donc ça va. Donc là, pour coup, ce qu'on voudrait, Harry Kane serait bien, Mahrez, ça serait bien. Goretzka, ça serait bien aussi. Casemiro, bon, il n'y a pas beaucoup de vitesse et tout. Mais en vrai, pour un SBC, bah, ça peut être sympa. Jordi Alba, je prends direct. Voilà, pour ma team Barça et tout, je pourrais peut-être vendre le régular. Si j'ai Jordi Alba. Une signée, je prends aussi. Voilà. Même si j'ai beaucoup de joueurs de Serie A et tout, mais bon, tu vois, je pourrais faire une. Je sais pas, un de ces quatre, une full Serie A, tu vois. Ça pourrait être sympa, même si bon, j'ai Ribéry à gauche. J'ai El Shaarawy, j'ai une signée. Bon, après, sur le banc, ça peut faire le taf. Il y a Morata aussi, qu'on pourrait peut-être avoir, ça serait sympa. Luke Shaw, ça serait pas mal aussi, en vrai. Pas des stats dégueu, donc je prends aussi. Smichel, je prends aussi. Et sur le banc, bah, Xavi, je prends quand même. Même si bon, on jouera certainement pas avec. Mais pour la note, on prend. Sanchez, on s'en fout un peu. Voilà. En vrai, ce serait ça. En vrai, il y a pas mal de joueurs qu'on voudrait en vrai. Dans le 11, en vrai, il n'y en a que deux que je veux pas. Voilà, c'est Kadereva et Campbell. Les autres, je dis pas non. Donc, pour coup, voici les packs, les gars. Voilà, j'ai fait donc les packs grosses affiches. Il y a donc les packs Rivals pour le coup. Il y a aussi, bon, il y a des joueurs à noter 75 plus parce que je faisais le truc objectif de Reynier qui joue à Dortmund. Donc, du coup, t'as les packs à 75 plus. J'en ai fait d'autres aussi, donc ce qui fait que bah, j'ai l'autre pack à 75 plus. J'ai fait le SBC joueur net à 83 plus. J'ai fait des trucs aussi à 83 plus. J'ai fait deux SBC 81 plus aussi. Donc, il y a pas mal de packs, il y a 18 packs, donc on espère qu'on ait un petit truc sympathique. Voilà. Ouais, voilà. Oh, une carte de Ligue des Champions. Portugais. Eh bien, Rafa. Ah non, c'est qui? C'est qui? Ah, Bruma, ok. Bruma. David Zoloui. Alors, voilà. Oh, un petit panneau. Autriche, à la va. David à la va. 84. Ok. Ok. Les panneaux. Uruguay. DC, Godin. Godin, 85, c'est pas mal. Pour les SBC, c'est très très bien. Les panneaux. Back to back panneau. Belge. Gardien. Ça ne sera pas Thibaut Courtois, ça sera Castel, ça. Anime. Ligue des Champions. Anime, Ligue des Champions. Portugais. AD et Bernard de Silva. C'est pas CR7, ça aurait été pas mal en vrai. Hein. On l'aurait pas qu'à deux fois cette année. C'est pas mal. Mais c'est bien. 87, c'est très bien. Ça peut cacher un autre joueur derrière. On sait jamais. Ouais, c'est Heitor, ok. C'est bien, Bernardo, c'est bien. C'est bien. Dommage. Ligue des Champions encore. On a de la Ligue des Champions. Espagnol, AG, Asensio. Ça, hein. Attention. Oh, les panneaux encore. C'est pas un boost? Non, je crois que c'est pas. Uruguay? Valverde? C'est affolant, hein. Bon, pas que des bons joueurs, en vrai.
On peut activer pour jouer. Hein. Normalement, on n'allait pas nous. Je crois que c'est un boost. Portugais. C'est Médo? Ricardo Pereira. Hein. Il était en ici chute lui, je crois. Il me semble qu'il a une carte ici chute lui. Dommage. C'est dommage. BU. Oh, Bafétimbi. La Panthère. Oh, Pavard. Second poteau Pavard. Putain, on a les panneaux. Pas d'anime, elle est pas. Ah, c'est Skriniar? Toi, je l'ai eu. Bah, je l'ai eu dans le pack opening de hier. Dans la vidéo que vous allez voir. Ah bon, j'ai vu Skriniar, j'ai vu. C'est bien, 85. Ça peut cacher derrière des 83. Cache-moi des 83 derrière. On y va. Paul Lopez. C'est très bien, très bien. DT 81. C'est bien. Je pense que c'est bien. Anime. C'est pas un boost, c'est un régular. Français. On s'est régularisé. Pourquoi c'était pas BU là? BU Mbappé, j'aurais été bien là. J'aurais vendu Mbappé régular, j'étais royal. J'étais royal. Mais c'est bien Igoloris. En vrai, on le pack beaucoup de fois cette année, Igoloris. On l'a packé au moins 3-4 fois, je crois. On pack tout le temps, lui. Pas d'anime déjà. Bon, on a les panneaux, c'est logique. Espagnol, et moi aussi. Ah, ça sera. J'allais dire David Silva, mais non. Ah, c'est Luis Alberto 85, ça. C'est un 85, ça. On aurait préféré une animation, mais bon, 85, ça va. D'ailleurs, cache-moi un 84 ou un 85, et c'est pas mal. Gabriel Jesus, ok. Que j'ai en vendable, je sais plus. Je l'ai en vendable ou en vendable? Ah, la douille, je l'ai en vendable. Et merde, on est obligé de le. Bah de l'otage, malheureusement. Bon, pour coup, les gars, le fut de chance, on l'a fait hors deux. Voilà, je t'ai pas mis les récompenses pour coup de la semaine dernière. Et le fut de chance aussi en vidéo, pour coup. Fut de chance éclaté. Les récompenses, moi, c'était pas mal. Parce que, bon, pour coup, j'ai eu Eric Cantona dans le player pick icône, là, au choix middle prime. J'ai eu Eric Cantona. J'avais le choix entre Cantona, il y avait. Il s'appelle Nesta et Okocha. J'ai pris beaucoup le Cantona Prime. Voilà. Et du coup, donc, je vous ai pas mis les récompenses de la semaine dernière parce que bah, j'ai eu un bug avec, je sais pas, avec les micros, j'en sais rien, c'est pas c'était split ou j'en sais rien. Mais bon, j'ai eu un bug, donc du coup, la vidéo, je pouvais pas la faire. Et puis bon, le Future Champions, j'ai pas fait non plus parce que bon. Champs éclaté, enfin bref. En ce moment, les Future Champs, c'est un peu éclaté, donc je me suis dit, ça me donne pas envie de machiner et tout. Là, on verra bien si on pack un truc bien, peut-être qu'on fera encore un autre Future Champs, mais plus ça avance, plus j'ai envie d'arrêter. Hein. Bon, les Player Picks, bon, pour le coup, bah là, ce serait bien d'avoir un petit truc. Et pour le coup, aussi, il y aura les Player Picks, ils ont remis encore des Player Picks en fonction du nombre de victoires Future Champs. Ils en ont remis, donc ça se trouve. Peut-être, je sais pas si je pourrais peut-être faire un 86 plus 8 chances, mais ça se peut que peut-être. Faut que je regarde encore les cartes rouges que j'ai, mais peut-être que je pourrais en faire, mais peut-être pour la semaine prochaine, peut-être. On verra. Bon, Zavi 86, ok. Zavi 86. Bon. C'est bon, en ce moment, on a des 86, tout ça, et des 85. En vrai, ça va. Ouais, les stats de Zavi, ils ont éclaté 4, ouais. Après, est-ce que je pourrais jouer avec en vrai? Ça me tente. En vrai, il a 94 d'agilité, en vrai, il est pas mal. Il a de la finition, en vrai, il est pas dégueu. J'avoue, il est fort en vrai. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Il est pas mal. On va le prendre. Pas de Jordi Alba, on va prendre Campbell Pokémon. C'est celui-là qu'on voulait le moins, Campbell. Donc voilà. Après il y avait David, donc, vu que j'ai sa carte Future Star là. Donc c'est rien que je prenne sa carte rouge. On va prendre Campbell 84. En vrai c'est plutôt pas mal on va dire. Parce que comme on vous a dit, en vrai il a les stats pas mal. Après Campbell donc, ça finira dans le 86 plus Future Chance. Mais c'est pas mal. C'est pas mal pour moi. Même si on aura peut-être préféré un Jordi Alba tout ça, mais. Moi, tant que j'ai des 84, on va dire plus de 84, ça me va. Moi, ça me va. Donc voici beaucoup les récompenses Future Champs. Hein. Il n'y a plus de pack à 100k là.
Et on l'a fait hors 2. Donc, fut une chance de l'attendre, comme je vous ai dit. Allez. D'accord. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver, bébé. Logique. Oh, Flotov. Flotov. Bon, ça, ils ont gagné hier en plus. On traîne. Bon, c'est pas Tova qui a marqué, mais Flotov. Putain, pas de la Ligue des Champions. Mais il a encore de la Ligue des Champions. Non, c'est oui, c'est ça. Français, AD, Tova. Ah, le back-to-back. Le back-to-back, Flotov. Mais cette fois sur Ligue des Champions. Oh là là. Ok. Ça va me faire plaisir le jeu là, pas une des joueurs marseillais. Ils ont gagné hier et en plus donc. On prend, c'est la famille, Thauvin, c'est la famille. Ouah, Théma, Marseille, Espagne, Rennes. Oh, en plus, y a le logo de Rennes, les gars, je peux pas dire, mais. Il y a Marseille et Rennes, et y a le Barça en plus. Ouais, ça veut tout dire, Espagne, Barça, ouais, ok. Putain, on a pas d'alliés dans les packs Megara, hein. Putain. Éclaté. Blashodimos, putain, c'est bien éclaté. Bon, pour coup, les gars, je vais peut-être faire cette équipe-là pour Future Champs. Voilà. Donc, le promo que le Future Champs, je l'ai fait avec Cantona, j'avais fait. Donc, j'avais mis Neymar, Mbappé, Cantona. J'avais mis Golovin, sa carte DLD en AD. J'avais mis donc Valverde, Messi. Et la même défense. C'était la même défense que vous voyez là. Et là, j'avais envie de rejouer avec eux, tu vois. Comme j'avais envie de rejouer avec Mbappé et Neymar. Et là, je pense que je vais, voilà. Pour une fois, on va faire un Future Champs sans Messi. Bon, il sera sur le banc, bien sûr, mais ce sera un Future Champs sans Messi. Voilà. Ce sera un Future Champs sans Messi. Et peut-être qu'un jour. En vrai, j'ai quasiment que des invendables. Sauf Cannavaro, qui est vendable. Mais un jour, je vais essayer de faire une équipe full invendable. Ce serait pas mal. Vu qu'en plus, j'ai Cantona, je pourrais la substituer avec des Ribéry, des Dybala, tout ça pourrait être sympa. Donc un jour, je pense que j'essaierai de faire une équipe full invendable. Mais je pense que je vais jouer avec ça ce week-end. Ouais. Et Cantona très fort, les gars, pour le coup. Ouais, le week-end dernier, il m'a fait quand même bon fut champ. 31 matchs, 30 buts, 24 passes D. Il est vraiment fort. Hein. Il n'y a rien à dire. Il tire, ça rentre direct. Rien à dire. Rien à dire. Voilà. Beaucoup, les gars, les récompenses ont été pas si dégueu, on va dire. Donc, petit joueur, Bernardo Silva. Des 85, Godin, tout ça, Skriniar, voilà. C'était des bonnes récompenses, on va dire. Carte rouge sympathique, un peu. Voilà. Donc, bon, après, bon, les récompenses futures, c'est un peu comme d'habitude avec les packs et tout. Mais bon. On est maintenant, on s'en fout de packer même du monde. Sur pack du lourd, on prend, mais maintenant, tellement que je m'en fous en vrai, bah, voilà. C'est bonus. Si on a du lourd, c'est bien. Si on n'a pas du lourd, bah, tant pis. Tant pis. Tant pis. Du coup les gars, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi sur ce, je vous laisse, c'était Mike quand même. Ciao!